parle. Ah, quoi ça? Oui. Tu es là? Oui, je suis là. Ah. Je t'ai déjà dit que tes poulets là sont chers. Quand tu viens d'arriver et puis tu vends un poulet à 4000, oui. Moi je vais payer 3000. Mais vous en faites même pas, madame. J'ai même doublé ça pour vous. Ah bon? Hein, c'est un cadeau. Ah, oui. C'est gentil. Oui, ok, excusez madame. Oui. Je sollicite votre contact. D'accord. Pour que... Voilà, c'est en même temps le WhatsApp. Ah. Donc. Aïe, comme je suis illettré, je ne connais pas WhatsApp. C'est pas grave. Il faut me biper. Là, je vais enregistrer le numéro. Ok. Dès que j'ai besoin de poulet, je t'appelle. Pas de souci, madame. C'est quoi le nom? On m'appelle Petit Kwasa. Petit Kwasa. Oui. D'accord. Oui. Ah, merci. Ok, madame. Au revoir. Ah, vous êtes très gentil. Merci. Petit Kwasa, ça va? Oui, ça va bien. Tu en as mis du temps? Ah non, vous allez m'excuser énormément. J'ai eu crevaison avec mon vélo. Ok. Oui. Petit Kwasa? Oui. Elle, c'est Charlotte. Ok, Charlotte. Elle, c'est Cathy. Uh-huh. Ce sont mes soeurs. Ok. Ah, vous ressemblez toutes belles. Merci. Ok. Alors. Ok. Je vous laisse. Merci. Merci, bon marché. Merci. Mais Ariette, tu n'as pas payé? Hey, faut laisser ça. C'est sa viande que vous mangez ici tous les jours là. Toi Kate là, tu n'es jamais là, c'est ce que nous on mange tout le temps. À propos, apporte une assiette, on va manger. Non, ben, sérieusement, tu as payé avant ou bien tu n'as vraiment pas payé? Ma soeur, c'est quoi ton problème? Ah, Ariette, fais très attention. Ce petit Kwasa là, je ne lui fais pas du tout confiance. Comment ça? Quand j'étais chez Yaba, elle m'a raconté une histoire. Elle m'a dit que les hommes profitent des repas comme ça pour envoûter les filles. Cathy! Hey! Pardon. Pardon, toi, à force de te frotter à Yaba, là, tu commences à lui ressembler. Hein? Ce petit quoi, ça, là, il peut faire quoi à qui? Envoûter quelqu'un. Toi, tu crois toujours à ces choses-là, au 21e siècle. Hé, hey, tu veux pas manger? Ah, je veux manger. Prends une assiette. Ah, j'arrive tout de suite avec l'assiette. Envoûter quelqu'un. Je t'aurais prévenu. Merci, merci, merci. Grande soeur. Ça va? Ça va, d'accord, je suis là. Ça va. Et il me manque des rios. Ah! Bon, c'est pas la période. Mais il n'y a pas quelque chose d'autre. En tout cas, il y a quelque chose. Mm-hmm. Mais à savoir si ça va t'intéresser. Non, c'est bon. Toi, tu ne penses qu'à manger. Grande soeur, c'est la place. Merci. Ouais. Et votre voyage? Ouais, ça s'est bien passé. D'accord, mon chéri. Ouais. Aujourd'hui, je change mon eau contre des bonnes nouvelles. S'il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas d'eau. En tout cas, il y a une très très bonne nouvelle. Laquelle? La nouvelle est que je vais marier ta soeur. Ah, oui, félicitations. Voilà. Mais attends. Mm-hmm. Je vais te demander quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que à l'école ça va? Ça va super bien. Je suis la toujours moyenne. La première de ma classe. Ah! Ça, c'est à allonger. D'accord. C'est bien ça. Oui. Félicitations. Ça va Charlotte? Ça va. D'accord. Et le repas? C'est prêt. Il y a petit quoi ça qui a amené le jour. Donc la cuisine est déjà faite. D'accord. Tu es à l'école, ça y est. Ok.
Allô, petit quoi ça? Je vais bien, et toi? D'accord. Oui. Oui, moi aussi j'ai des sentiments pour toi, mais je t'ai dit que je vais réfléchir. Je te promets. Allez, bon marché. Grande soeur, c'était qui au téléphone? Petit quoi ça? Il me fait leur cours. Hey, lui aussi. Je t'ai dit. Hey, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est ma grande soeur qui est venue pour draguer. Ah, mais où? Grande soeur, faut faire attention parce que moi j'ai entendu dehors là-bas là, que les bouchers ils sont tellement violents. Laisse ça, je gère. Tu veux continuer à manger le poulet? Ah oui, je veux continuer à manger. Sa viande est tellement douce. Ah, donc faut laisser, on va le manger. Oh. Ah, comme c'est toi qui as dit. Ah. À propos, sers-nous à manger. D'accord, j'arrive tout de suite. Petit quoi ça? Oui. Tu me fais 4 poulets. Tu emballes les 2 pour ma tante. Et les 2 autres, on va les manger ici. Il n'y a même pas de soucis. Hein, je suis là. Votre service. Merci. Voilà, bonne suite. Ah. Henriette, 4 poulets, c'est trop. Et même nous suffisait largement. Ma tante, il faut profiter. Profiter de quoi? Je t'explique. Tu vois ce petit idiot là? Il me fait la cour. Idiot. Il te fait la cour. Ma tante, même si je vais sans poulet là, il va amener ça ici. Henriette, tu joues à un jeu très dangereux. Arrête ça. Arrête ça pendant qu'il est temps. Faut au cou. Ma tante, ce que toi tu penses là, lui là, un illettré, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vois ce genre de personnes là, ils sont très dangereux. Il faut t'en méfier. Il faut t'en méfier pendant qu'il est temps. Tu as compris? J'ai compris ma tante. D'accord. Parlons maintenant de ton fiancé Henri. Qu'est-ce qu'il devient? Il est là, il a rejoint son poste à Rio. Il est à Léo. Quand il quitte Léo pour Ouagadougou là, il dort où? Chez moi, bien sûr. Et tu trouves ça normal? Où est le problème? Hein? Après 15 ans de service dans la fonction publique, il n'a même pas 1 mètre carré pour dire que c'est chez lui. C'est parce qu'il ne veut pas. Il veut pas où? Hein? Il veut pas où? Faut pas le rembarcara. À cette lui-là même, je préfère le petit quoi ça le cueillir. Ah. Si. Ntarugwama, ntarugwama. Yana wa pakti, gine pa fanka ano. J'ai un conseil pour toi. Tes poulets là, je vais pas les manger. Et je veux que tu ne les consommes pas également. J'espère que mon message est bien passé. J'ai compris, ma tante. Regarde-moi. J'ai compris. Ok. Oui. Franchement, je ne tiens plus. Comment ça? Il faut que j'attende chaque week-end pour te voir. Il y a des jours même, j'ai envie d'abandonner les cours pour te rejoindre là-bas. Hein? Où en est-on pour l'affectation? Ah, l'affectation? Non, je suis en train de faire des démarches pour ça. Hein? Et pour le mariage, là, pour l'affectation, il faut l'acte de mariage. Et là, nous allons pouvoir réunir toute la famille. Hein? Tu comprends?
Donc tu il faut qu'on accélère le mariage alors. En tout cas, il le faut. D'accord. Et tu vois, non, je me sens bien même ici, tu vois, non. Après le mariage, nous pouvons nous installer ici en même temps. Chérie, c'est chez mon papa, on ne peut pas vivre ici après le mariage. Tu peux m'autoriser au moins c'est la lune de miel. Ouais, on verra ça. Hey, bonjour madame. Ah, apparemment tu n'as pas de bonne mine ce matin. Ah, petit quoi ça? Mm. J'ai perdu mon téléphone. Mm. Quand je pense que ça m'a coûté 200 000 francs, hein? Mm. Je ne pense même pas pouvoir faire le cours ce matin. Ah bah, ça seulement? Non, t'inquiète pas. Tu vas rentrer dans l'eau. Moi, petit quoi ça? Je gère. J'ai un ami, il s'appelle Gibi. Il vend des portables au niveau des ronds-points partagés. Oui. Voilà, en partant, tu vas passer chercher la marque que tu veux. Ah oui. Merci petit quoi. Oui, tu es cher plus que le portable. Et tu as déjà entendu parler de poulet au rabilé? Oui, mais bon, je n'ai jamais eu l'occasion de goûter à ça. Ok, ça tombe bien. Je vais faire ça spécialement pour toi. C'est déjà au feu. Ok. À 10h, je vais t'apporter. D'accord. Ouais. Donc, à la cafétéria. Il n'y a pas de souci. Merci. Ok. Au revoir. Ouais. Non, pour le moment, tout le monde est là. Asseyez-vous. Chef de classe, ça va? Alors aujourd'hui, le chapitre va porter sur les sentiments.
Petit quoi, ça c'est quoi? Excusez-moi. Je disais que le sentiment. Madame, oui. C'est quoi le rapport entre sentiment et poulet grillé? Excusez-moi. Alors écrivez. Nous avons plusieurs types de sentiments. Petit croissant au fond d'écran. Je sais qu'elle aime de Tambela. Ariette. Petit croissant. Petit croissant. Mais c'est Ariette. Oui, c'est elle. Petit croissant. Petit croissant. Ariette, pourquoi ces petits croissants sur le fond d'écran de ton téléphone? Pourquoi c'est toi qui tiens mon téléphone? Donne-moi ça. Donne ici! On ne t'a pas dit que c'est privé le téléphone. Je mets la personne que je veux sur mon fond d'écran. Mm-hmm. Mes grandes soeurs, on t'entendait depuis la chambre là. Petit croissant! Petit croissant! Moi? Toi? Moi je dormais tout simplement. Hein. D'ailleurs, je retourne me coucher. Si petit quoi ça vient, même si je dors, réveillez-moi. Ah, Yakabi. Nje. Ariette. Oui, petit chez moi. Bonne arrivée. Merci. Ok. Je te donne une place. Voilà. Merci beaucoup. Ah, j'arrive. Ariette. Oui. C'est comment? Ça va bien. Tu vas bien? Ça va. Ah! N'as pas souffert pour qu'on ait chez moi? Ça va. Mm. J'ai demandé, on m'a indiqué ici. Ok. Je suis allée dans ton lieu de travail et je ne t'ai pas vu. Oh, j'ai eu une commande. J'étais allée au marché pour des achats. Ok. Oui. Petit quoi ça? Oui. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Ah bah, tu es malade? La maladie d'amour. Quelle chance. Oui. Alors j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit là. Uh-huh. Je pense que je suis aussi amoureuse de toi.
Ah ouais. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. On peut visiter ta maison. Oui, pourquoi pas. Ah ouais. Hey, Pauline. Oui, cousin, c'est bon. Ça va bien? Oui, ça va. Ah. Et Ario? Ario, tout le monde se porte bien. Adieu, maître. Voilà. Tu es venu voir notre chérie? Oui. Oh, malheureusement, elle n'est pas là. En tout cas, quand je suis venu, je ne l'ai pas vu. Ah, parce que ce matin, quand je venais pour le nettoyage, je l'ai vu dans notre nom, l'outil là. Elle a garé son véhicule et elle était là, elle tournait partout. Mais bon, comme j'étais un peu pressée, je me suis pas arrêtée pour lui demander ce qu'elle voulait. Quoi? Dans la lune, on le dit? Oui, oui. Ok. On verra ça. Ok. Bonne journée pour vous. Mon chéri, de l'eau? Non. C'est pas la peine. D'accord. Depuis 14 heures, j'ai arrivé. J'essaie de la joindre. Aucun numéro ne passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que tu mérites de connaître la vérité. Notre soeur ne va pas bien. Nous avons la conviction que Ariette a été envoûtée. Si je comprends bien, elle découche. Oui, parfois. Et même nous, ses propres soeurs, quand nous l'appelons, elle ne décroche pas. Et le pire dans tout ça, elle est devenue très agressive avec nous, ses propres petites soeurs. Ne vous inquiétez pas. C'est le fer qui coupe le fer. Dès demain, j'irai au village. On verra la suite. Tu es sûr qu'on peut toujours l'aider? Ne vous inquiétez pas. Que Dieu et les membres de nos ancêtres t'accompagnent. C'est quoi ça? C'est quoi ça là?